allez, je me cale et on est y part. Alors, la bêta de The Division. J'espère que la co va tenir. Bon, alors là, on est en intérieur, mais je sais pas. Une fois de plus, je sais pas. Les gens ont encore gueulé, peut-être un peu vite. Je sais pas. En extérieur, je trouve ça plutôt classe. C'est pas un scandale comme il y en a plein qui le disent au niveau graphique. Je sais pas, moi ça me choque pas. Je trouve plutôt fouillé. Il y a beaucoup de détails. Ouais. Les gens ont encore crié au scandale alors que bah, pour l'instant ça va. Alors, vu que c'est un jeu tout multi, il y a Dandy qui arrive hein, sur le stream. Il est pas dû être réveillé encore, il est 9h15. Mais bon, on va se faire la journée dessus. Ils sont assez nombreux. Comme si ça, on en parlera à la radio vous demain. Pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Oui, c'est quand même pas dégueu. Faut quand même pas charrier. Et dans la rue, c'est plutôt cool. Hein. Il y a des flocons, il y a beaucoup de détails. Enfin, je sais pas quoi. Alors, dans les mécanismes, ça fait beaucoup penser à Watch Dogs. Au niveau de la sensation qu'on a dans la rue, il y a beaucoup d'immeubles, on se sent petit. Nouveaux éléments hostiles détectés. Éléments hostiles détectés. Voilà, je peux pas mettre pause. Éléments hostiles détectés. On peut arriver par derrière quand même. Après voilà, j'ai peur de ça, il faut vraiment voir le côté multi. Kendall et ses assistants se trouvent encore à l'étage. Ils sont retenus prisonniers. Parce que pour l'instant, c'est un jeu de tir lambda quoi. Attendez, il faut que je fasse un truc, je vais changer le titre. Je reviens.
Voilà. Apparemment, ils ont complètement saccagé le garden. Ça aurait brisé le cœur de mon père de le voir dans cet état. On venait souvent voir des matchs ensemble. C'est une bonne chose que mes parents n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Mais quand je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est pour eux qu'on se bat. Allez-y. Pour accéder au restaurant, vous allez devoir traverser plusieurs zones contaminées. Un grand nombre d'infectés étaient traités ici avant d'être abattus. Alors, prudence. Ah, mais ils ont des espèces de barres de vie, les gonzes, ou quoi? Bonjour, c'est le Père Noël. Restez à l'abri et vous faites pas repérer. Attention, élément hostile détecté. Alors, il n'y a pas de... de corps à corps ? Salut Flamby ! Waouh, 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 waouh ! Bah écoute, ça va très bien, matinale. C'est ça qui est bon. Ah mais non, ok. Elle tirait sur la meuf, je dis putain l'IA, elle déchire montez cette bêta. Bah écoute, pour l'instant ça me plaît bien. Il faut que quelqu'un monte dégager le terrain.
ou on s'en sortira pas. À vous de jouer. Ah non, c'est rond, ok. Allez, on et graphiquement, ça va. Il y en a plein qui crient au scandale. Oui, c'est moins beau qu'à l'E3. Écoute, quand t'es dans la rue, je trouve ça plutôt classe. Il y a plein de détails et tout. C'est quand même assez cool, faut pas charrier. Donc là, pour l'instant, je suis tout seul, mais il y a d'autres membres de l'équipe qui vont arriver. On va streamer toute la journée, de toute façon. Hein. Jusqu'à ce qu'on en ait marre. J'ai reçu ma clé bêta hier, donc c'est geekage matinal aussi. Bah ouais, tu m'étonnes, pareil. Et ouais, du coup, ils l'ont repoussé, elle devait se terminer aujourd'hui à midi. Puis finalement, c'est demain à midi. Donc au final, tant mieux. Escorte Alpha, on a un agent sur le toit. Est-ce que Kendall a rejoint votre position? Affirmatif! Elle et son équipe viennent d'arriver. Dès qu'on élimine les ennemis du toit, on les emmène en sécurité. Attends, je vais lire tes messages. Bon, lui, il était bien courageux, lui. Attention, nouveaux éléments hostiles en approche. Wow. Merde. Lu, comment avoir une bêta, c'est encore possible, nous demande Freedom. J'ai fait une petite pause, Bédo, devant ton stream. Ça marche. En fait, il fallait t'inscrire sur le site de The Division. Ah, on repart de là. Ah, les petites salopes. Sur le stream de The Division. Et en fait, t'étais mis sur liste d'attente. Et puis, contre toute attente, eh ben, on a reçu la clé hier soir. Tiens, il y a des munes là. Donc, du coup, je pense que c'est un petit peu foutu. Sachant qu'elle se termine demain. Mec, on a quand même des capuches par balle. Tant pis, merci quand même. Bah ouais, désolé Freedom. Pour le coup, c'est con ce que je vais te dire, mais essaye peut-être d'anticiper le prochain coup. Là, les prochains en bêta, il y a Doom. Hésite pas tout de suite à aller sur le site de Bethesda.
Tu vois, tu t'inscris, ça mange pas de pain. J'ai pas de team pour la Dark Zone, par contre, je suis deck. Tu joues sur PlayStation 4? Si tu joues sur PS4, dans l'après-midi, on va... J'ai du monde qui arrive, là. Il y a l'autre équipe, parce qu'en fait, on est... Il y a l'équipe de la radio qui arrive. Et donc, voilà, on va... Putain, et lui, là-haut... Attention, nouveaux éléments hostiles en approche. J'ai l'impression que je lui fais pas grand-chose. Doom, bof bof. Ok, ouais, bah après, on aime ou on aime pas, quoi. Petit à petit, ce système j'aime beaucoup là. C'est... Ah bah ça l'a arrêté en route. Ah bah c'est bon. Kendall est en sécurité. Kendall et ses assistants sont sains et saufs. Aucune perte à signaler. C'est un excellent début, agent. Alors moi ça me fait beaucoup penser à... Vous couvrir tout à l'heure, mais je pense qu'on forme déjà une équipe très efficace. À Watch Dogs et à... De retour à la base, Max Payne. Il faudra qu'on parle à Kendall. J'ai refait le 3 il n'y a pas si longtemps là sur PS3 pour triper. Et le système de cover et tout, c'est un peu... C'est un peu l'esprit. Enfin, c'est l'esprit TPS. Une grenade flashbang. Attention, quoi. C'est un boss, lui. Ok. Jette une grenade. Ouais, bon, c'est fait. Ah ouais, les grenades, c'est avec la flèche de gauche, alors. Retour dans le stade. Et ouais, voilà, les passages en extérieur sont quand même assez classe, quoi. Quand même pas charrié. Terminé. Alors, sélectionner mission. Nouvel objectif. Ah, voilà. Yaaah! Que je rentre dans un truc. Ah ouais. Vous faites du super boulot. On dirait pas à côté de ça. Ils veulent déjà qu'on parte. Regardez qui est là. Oh. Merci de m'avoir sorti du garden. J'avais déjà travaillé dans des conditions horribles, mais à ce point-là... Ouais, je sais. On peut pas dire qu'ici, ce soit beaucoup mieux. Le matériel est dépassé, il y a zéro personnel, les files de patients n'arrêtent pas de s'allonger. Je vois pas comment on va faire. On fait de notre mieux, Dr. Kendall.
Mais si vous avez un avis à me donner, je vous écoute volontiers. Ouais, d'accord. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je sais. Ce qui compte, c'est de vaincre le virus. Mais j'y arriverai pas si j'ai pas plus d'informations. Voilà une première piste. Les éléments du décor sont destructibles. J'ai pas l'impression. On va regarder, si tu veux. Le Serra est convaincu qu'un certain Gordon Amherst a quelque chose à voir avec l'épidémie. Génial. Quelle ordure. Je l'ai vu présenter un article à Columbia. Il a failli provoquer une émeute. S'il est bien impliqué là-dedans, je vais devoir lui parler. Trouvez-moi tout ce qui pourrait lui appartenir. Carnet, ordinateur, et rapportez-moi ça immédiatement. Ah, et j'ai aussi besoin d'échantillons et d'anticorps. Allez, vous avez du travail. Et vous, vous ça faites ressemble quoi à The Last Moi, of Us aussi. Ça. Oui, carrément. Je me suis fait la remarque tout à l'heure. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'y mettre. Vous pouvez maintenant améliorer. Alors, on va au terminal. Chacun dispose, ok. Ok. Tout a l'air nickel. Si on s'en sort, je vous embauche dans mon labo. Ok. Accroît l'inventaire des kits de soins, ok. Ok, vous trouverez les plus grands défis, les meilleurs, hein. Ok. Viens regarder ça ou ça va être trop tard. Ça, ça fait penser à... Comment il s'appelait ce jeu ? Qui faisait peur là où t'étais dans un vaisseau avec une armure là, merde. Et tu laissais appuyer et tu avec sa main il traçait sur le sol là. Merde, comment ça s'appelait déjà ça? Trouver l'entrée de la Dark Zone. C'est quoi cette radio? Explique-moi un peu, je connais pas. Ah bah écoute, ah mais Flamby, ok, il me semblait que t'étais déjà venu. T'étais déjà venu sur le stream. En fait là, La Voix du Geek, c'est une émission de radio sur la bande FM. C'est tous les mardis de 19h à 20h30. C'est une... Putain, et regarde, c'est quand même assez classe, moi, franchement. Enfin, ça va, quoi. Et... Non, c'est pas Destiny. Et donc, voilà, c'est une libre antenne sur le jeu vidéo. Vous pouvez nous appeler en direct et tout pour faire les cons avec nous. C'est comme du... C'est comme Koé, Difool, tout ce que tu veux, quoi. Sauf qu'on parle de jeu vidéo. C'est tous les mardis de 19h à 20h30. Donc c'est 91.3 FM si t'habites dans le sud-ouest de la France. Balise d'écho actif. Sinon, sinon tu peux nous écouter sur internet, sur auderadio.net. Du coup il y a tout, hein, le Wizbot il met tout. Il y a les replays qui sont sur sur PodCloud. On est sur iTunes aussi. Et en fait tous les mardis à 19h sur cette chaîne on stream la radio. Il y a des caméras dans le studio et comme ça bah, vous voyez la radio comment ça se passe. Les graphismes sont propres. Bah oui, carrément. Tout le monde crie au scandale. Ouais, c'est moche par rapport à l'E3. Ça va, les gars, quand même. Enfin. Et donc voilà. Détruite voiture. Ouais, alors attends, on va essayer. Ouais, non, c'est quand même super classe. Au moins les pneus, fais voir. Je pense pas que ça fasse plus. Allez, le bordel!
Et donc du coup voilà. Ah bah et puis Flamby, tu vas découvrir le premier du jour, le poète de la morte. Merci à toi pour le follow. Et donc voilà, hein, tous les mardis on stream à la radio, on parle de jeux vidéo, on fait les news, les tests, on fait plein de choses, on écoute du son, vous pouvez nous appeler, on lit tous vos messages en direct sur Facebook, Twitter, enfin voilà, c'est... là. Non, c'est pas hostile ça, c'est la totale. Alors, est-ce qu'il va vouloir... Oui. Donc ça, dans l'idée... Merde. Ça, dans l'idée, c'est l'île de Manhattan. Non ? Mais ici, l'étendue d'eau, il me paraît grand. Dommage qu'il n'y ait pas d'explosion sur les voitures. Ouais, j'avoue. Après, c'est la bêta, donc il faut... faut toujours se méfier des bêtas. Tu vois, il y a eu le gros problème des gens, c'est qu'ils gueulent tout de suite sans savoir. Et tu vois, Battlefront, par exemple, la bêta était pas du tout représentative du jeu final, qui est 10 fois plus joli et... Même s'il manque de profondeur, on est tous d'accord. Moi, le rang 50, je l'ai bloqué, attention, ça fait... Ça fait déjà des semaines et des mois, presque. Non. Attention, vous pointez ça. Ça n'empêche que... Il est quand même assez cool. Où est-ce que vous étiez fourré? C'est quoi ce plan? Wow, c'était bizarre ce qui vient de se passer là. Et donc la Dark Zone, qu'est-ce que c'est? C'est... Ah. C'est bon, pas besoin de me sauter dessus. C'est quand même pas mal. La bêta Rainbow Six était buggée, celle-là a l'air moins buggée. Ah oh, ouais, non, carrément. Après, voilà, les bêtas, c'est normal que ça soit buggé aussi, quoi. Les bêtas, c'est normal. Attendez, j'ouvre un truc juste vite fait. C'est comme les gens qui râlaient après je suis mitigé sur Battlefront quand même. Ouais, bon, après, faut adhérer à Star Wars. Mais ouais, non, après, ils ont lancé une bêta en disant clairement... Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez hyper nombreux, comme pour Doom, hein, c'était le cas aussi de l'Alpha. Soyez là samedi, genre, venez le plus possible pour essayer les serveurs. Donc évidemment, faut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes. Et les gens ont commencé à péter des câbles, c'est quoi ce jeu de merde? Enfin voilà, une fois de plus, les gens ont été débiles et n'ont pas compris ce qu'on leur avait demandé. Parce que les gens ne savent plus lire, hein. C'est bien connu. Enfin, c'est pas qu'ils savent plus lire, c'est qu'ils n'ont jamais su, je crois. Autour de la Dark Zone, c'est pas pour rien. Donc je suis désolé, hein, c'est mon petit coup de gueule, mais ça m'énerve assez quand les gens gueulent sans savoir, ça m'énerve. N'a pu en prendre le contrôle. Aujourd'hui, c'est un no man's land dans lequel les rares survivants sont prêts à braver le virus plutôt que les différentes factions qui gèrent le reste de l'île. Et le peu qu'on sait de ce qui se passe derrière ce mur n'est pas très reluisant. Hop, voilà, c'est reparti. Alors attends, qu'est-ce qu'elle a dit la meuf? Parce que du coup, j'ai pas du tout fait attention. Alors. Impossible d'utiliser les armes, d'accord. J'ai de quoi te sauver la vie, tu sais. Eh bah, vas-y, fonce. Alors la Dark Zone, qu'est-ce que c'est?
Alors après le personnage on peut le créer, j'ai pris au pif hein. Vu que c'est la bêta, j'avais pas envie de me prendre la tête. Attention, risque bactériologique, zone hautement contaminée. La fameuse. Eh bah franchement c'est pas dégueulasse quoi. Alpha, on a presque plus de réseau. Transmission brouillée. Couverture de proximité uniquement. Le problème c'est la difficulté de se procurer une bêta d'aujourd'hui. Redémarrage du système. Pas forcément, après il faut t'inscrire assez vite. Vous venez d'entrer dans la Dark Zone. Si tu suis les sites spécialisés et tout de jeux vidéo, tu seras forcément au courant dès que tu vois l'un. C'est hostile ça ? Ah non, merde. Voilà. Ah, attends, il va falloir qu'on étudie le truc. Il t'oblige après co et ça c'est pas top. Alors ça je suis d'accord. Après il y a d'autres moyens, t'es pas obligé. T'es pas obligé. Voilà, dès que tu vois, tu vas sur le site directement. Là tu vois, on a été direct sur le site de The Division. Et puis voilà. Tu t'inscris et puis tu vois, on s'y attend. On s'est dit c'est foutu et tout. Et puis hier soir on a reçu le code quoi. Elle devait se terminer aujourd'hui à midi. Bon, a priori la Dark Zone ça pique. Ah mais c'est d'autres joueurs en fait. C'est ça le délire en fait. C'est d'autres joueurs. Alors je suis pas du tout ready. Et là, il y a mes collègues de la radio qui vont arriver, toute l'équipe, enfin toute l'équipe, une partie. Donc je pense qu'on va se marrer. Bah, graphiquement, c'est pas dégueu, hein, franchement. Je vais me faire défoncer. Dark Zone, c'est dur sans une team, ok. Sinon, tu vas sur les stores étrangers. Ouais. Wow, 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 wow. Wow, wow, ah ouais. Bon, on va en sortir et on va peut-être stuffer un peu. Moi, je l'ai gagné sur un stream, la clé bêta. Ah yes, bah tu vois. Bon, on va abandonner. On va attendre mes collègues. Quelle heure il est? 10h moins 10. Wow, ça devrait aller, devrait pas tarder. Je vais me faire un petit cappuccino. Et on va aller se promener dans l'autre zone. Essayer de voir un peu du décor. Un peu. Parce qu'on arrive sur un quai. Un quai qui est hyper classe. Pour cette bêta, j'avais pas pu me connecter à mon compte Thaï. Ah, dommage. Parce que voilà, il y a l'air d'avoir quelques objectifs à faire quand même. Donc c'est ça, hein, là. Est-ce que c'est hostile, ça, là-bas? Non. Je vais me mettre dans un coin. De toute façon, vous allez venir avec moi. J'ai assez de câbles. Et me préparer mon petit cappuccino. Hop. Mais, ouais, non, après, clairement, c'est un jeu. Moi, j'en attends rien du tout. Après, pour ceux qui sont sur la chaîne, là, on stream plein de choses. Hein. Hier, on était sur The Witness. Il y a un bon programme, là, du coup, cette semaine. Il y a The Division aujourd'hui. The Witness, je sais pas trop quand dans la semaine. On va se faire du stream sur Lego Avenger. Parce qu'en fait, pour ceux qui arrivent, là, ça, c'est la chaîne d'une émission de radio qui s'appelle La Voix du Geek, qui existe depuis 4 ans maintenant sur la bande FM, comme je disais tout à l'heure. On stream la radio aussi, c'est le mardi à 19h, donc vous êtes dans les locaux de la radio pour de vrai, avec moi en régie, à envoyer les scuds et tout, et la radio c'est trop bien, je vous invite à être là. Et au final, donc je me fais tirer dessus ou quoi? Bon, ça va. Et on stream tous les jeux qu'on teste dans l'émission. Donc du coup, mardi, là, on fait le test de The Witness. Et on va parler de The Division aussi. Et donc comme ça, en parallèle, voilà, vous avez les streams. La semaine prochaine, mardi prochain, donc pas demain, celui d'après, on fait le test de Lego Avenger. Peut-être d'un autre jeu aussi, on va voir. Et donc au final, on le stream. Et on fait ça toute l'année.
toute l'année, on a la chance de pas payer les jeux et donc bah, on enchaîne quoi. Pour cette bêta, ils mettent les bêtas fermées en téléchargement direct sans préco. Ouais, alors ça, c'est, tu vois, pareil, après, tu vois, Plantes vs Zombies, la bêta était accessible. Voilà, The Division, bon, nous on était sur liste d'attente, hein, clairement, parce qu'on s'y est pris un peu tard. Bon, il est, je fais bouillir de l'eau, vous inquiétez pas, hein, je reviens. Ah, c'est bon. Hop. Voilà. Moi, clairement, c'est un jeu qui m'avait pas fait vibrer de ouf. Dark Zone égale zone PVP. Les joueurs sont neutres ou renégats. Eh ben, écoute, merci Big... Big... Vilsize, pardon. C'est écrit tout petit sur ma tablette, je suis désolé. Ok, donc la Dark Zone, je vais attendre mes potes. Là, il fait pas beau, hein. Alors, sélectionner une mission. On va checker un peu. Alors, comment c'est fait? Déjà, j'aime pas trop l'inventaire, hein. Carte. Alors ça c'est pareil. Bon, à l'E3 ils nous avaient vendu une carte un peu plus dynamique qui l'ouvrait avec sa main, je crois. Il y avait un dos comme ça. Moi c'est plus le cas. Zone d'extraction. Qu'est-ce que c'est que ça là? Tiens, on va aller là-bas. Rencontre. Ça me plaît bien. Sauvetage d'otages. Et on est toujours à la recherche du nom du jeu là. Merde, comment il s'appelait? Vous savez, on était dans. Il y en a trois. Putain, on est dans un vaisseau spatial, on a une armure et tout. C'était sorti au tout début de la génération PS3 360 là. Et en appuyant sur L3 ou R3, je sais plus, ça dessine la route sur le sol. C'est un jeu d'horreur. Putain, je l'ai sur le bout de la langue. Merde, comment il s'appelait ce con de jeu quoi? Allez, celui qui trouve le nom, je lui fais une dédicace à la radio demain quoi. Putain, comment il s'appelait ce con de jeu là? Attention, présence hostile détectée. Dead Space. Oh putain, Dark. Oh putain, t'as un pseudo, je suis désolé, je suis obligé que je l'écorche. Eh ben écoute, Dark. Dark Channel 35. Joli, Dead Space. Les barres de vie violettes en DK sont des bots avec stuff. Ok, ça marche. Voilà, Dead Space. Alors le truc c'est qu'ils ont... Wouah, GG. Ils ont gavé de vie par contre. Après on va peut-être pouvoir acheter d'autres armes. Dead Space, ouais merci Juve. C'était Dead Space. Et celui-là franchement, le 3 était un peu axé action. C'est dommage, on avait perdu un peu l'esprit qui fout les boules. Mais faut qu'ils nous en refassent un, mais qu'ils reviennent dans l'esprit du 1 quoi. Détecté. Et dans ce type de jeu là, je me suis refait au mois d'août là cet été, on a fait un stream. Ah merde, je me suis trompé de bouton. Bon, l'IA est un peu aux fraises, hein, on va pas se mentir. C'est qu'une bêta, de toute façon, voilà, on va pas commencer à palabrer sur des trucs qui changeront sûrement. Mais moi c'est Alien Isolation quoi. Franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Horreur aussi. Mais voilà, carrément. Alien Isolation, je l'ai fait en cauchemar, en mode cauchemar. Au mois d'août là en stream, mais putain, mais le truc de malade, franchement il est terrible. C'est un jeu qu'il faut faire en mode cauchemar. C'est comme The Last of Us. Il faut se mettre en survivant, sinon t'as pas les mêmes sensations quoi. Les clés doivent être quelque part par là. Ah, il y a un chien. On va l'appeler Bobby. Tous les chiens s'appellent Bobby. Alors on l'a enfermé le mec. La clé de l'otage était posée sur la porte de la laverie. Ça fait flipper la nuit, carrément. Ah non, franchement, Alien Isolation, je vous le conseille. C'est un truc de malade, quoi. Si vous l'avez pas fait, j'ai vraiment surkiffé, quoi. Il y a vraiment, en plus, ça se fait en mode cauchemar. Il y a un passage vraiment qui est chaud. Où tu te fais attaquer par les espèces de droïdes là. De droïdes. De. Comment on appelle ça? M4 de la police. Allez, on va tout prendre. Si, c'est un droïde qu'on dit. Non. Bah, si. Ouais, si, c'est un droïde. Ils sont vraiment flippants quoi. Ils ont des visages humains et tout. Et ils marchent.
à l'infini, quoi. Enfin, il te fonce dessus, c'est la force tranquille, quoi. C'est abusé. Alors, on va continuer. Désolé, hein, voilà. Je pars dans des trucs, on décroche un peu du jeu, mais... Mais bon. Bah écoutez, moi pour l'instant j'aime bien. Il y a un Watch Dogs 2 qui sera annoncé à l'E3 sûrement. Bah moi je suis impatient de voir ça. Parce que Ubisoft, on peut leur reprocher ce qu'on veut. Sur l'histoire, tout ça. Écrire une histoire, c'est pas évident. Inventer un univers. Mais moi ce que je kiffe, et c'est le cas dans les Assassin's Creed aussi, c'est l'univers à chaque fois. La bande son, tout ça. Enfin, je trouve ça vraiment classe. Tu te plonges vraiment dans un univers, quoi. Je trouve qu'ils réussissent vraiment ça. Après, le gameplay, l'histoire, c'est autre chose. Mais tout l'univers, je trouve ça vraiment classe, quoi. Emplacement marqué à proximité. Qu'on retrouve dans GTA, mais pas de la même manière. GTA, il y a un axe what the fuck qui est hyper assumé. Mais du coup, tu... Voilà, tu regardes les piétons, la façon dont ils se comportent et tout, c'est un peu foutu. Et Watch Dogs, la ville de Chicago était vraiment terrible. Et donc le prochain sera à San Francisco et je pense que ce sera réussi aussi. Attention, force hostile en approche. Ah ah, merci Freedom pour le follow. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Hein. Ah merde, c'est un collègue, putain. Désolé, man. N'hésitez pas à faire péter les follow, comme ça vous serez au courant de tout, de la radio, de tous les trucs et tout. Wow. Et on stream beaucoup. Hein. On stream beaucoup. Quasiment tous les jours ou presque. Et on stream surtout toutes les sorties. Alors je vois plus le perso. Ah voilà. Attention, force hostile en approche. Donc alors après voilà, du coup sur la chaîne il y a de tout. On n'est pas arrêté sur un truc. Donc vous voyez là, dans la semaine là vous aurez du Lego. On est sur The Witness en même temps, qui est excellent. Là ça commence à être dur un peu. Mais voilà, on va se faire Agatha Christie, on va se faire Unravel, qui a l'air terrible. Voyons, on touche à tout. Hostile en approche. Et on s'est fait Black Ops, enfin voilà, on fait tout quoi. Il y a du Naruto aussi sur la chaîne. Alors vu que c'est la chaîne de la radio, il y a du monde qui stream. Enfin, il y a du monde. Il y a au moins 4 personnes. On a Bibine qui stream des jeux plus rétro. Les jeux PS2 qui sont disponibles sur PS4. Attention, par exemple. Force hostile en approche. Vous aurez Kogu qui fera du Naruto. Moi, je m'occupe un peu de tout le reste. J'aime bien un peu tous les styles. Donc voilà. Et dites-le moi si je parle trop, les mecs. Ah, la voix du geek. Alors, est-ce que c'est Bibine justement, ou est-ce que c'est Goustic? Je pense que c'est... Ah, c'est peut-être Goustic. Oh non, c'est peut-être Bibine. Zone sécurisée, ennemi neutralisé. Et tu bosses pas aujourd'hui, poulet? Et donc voilà, on a lancé la chaîne là, il y a pas si longtemps. C'est Bibine, ok poulet. Mais tu travailles pas aujourd'hui, sinon je t'invite en partie direct. Donc voilà, quand on parle du loup, on envoie la teub. Comme on dit. Bibine qui sent bon le sable chaud et la vinasse. Ça sert à rien. Eh, vous êtes là pour nous aider, non? Bah oui. Alors il y a une petite flèche vers le bas, est-ce qu'il faut descendre dans les égouts? Ah non, c'est les plus carrément. Non, fini. Ah oui, ah oui. Eh ben écoute, dis-le si tu veux que je t'invite. Hein. Comme tu veux. C'est toi qui choisis. Alors, on va récupérer notre bibine nationale. Alors... Bon ça va, il est de bonne heure, j'ai pas trop d'amis connectés parce que sinon il y a 400 ou 500 contacts. C'est un peu plus long. Là c'est le matin, il y a que 46 personnes de connectés. Non t'inquiète, tu parles bien, pas comme certains wesh, donc c'est pas... Ok.
Ah oui, ouais, je. C'est vrai qu'il y a des streamers, ils pourraient faire un effort. Pardon. Mais bon. Mais c'est l'habitude de la radio, tu sais, on parle. On, voilà. On a le flow, ouais, t'as vu. Yo. Ça va, poulet? Ça va et toi? Carrément. Oh, j'ai vu, t'as bientôt platiné Fat Princesse alors. Eh oui, du coup, j'ai trouvé la technique. Il faut, genre, pour assommer les ennemis, il faut améliorer le bouclier du chevalier, le premier. Et en fait, il assomme les ennemis. Tu laisses appuyer sur triangle, et au final, ça fait une attaque de zone. Je l'ai eu du premier coup. Pour enflammer les autres, c'est pareil. Et puis là, il me reste à transformer en poulet, mais j'ai plus assez d'argent. Faudra qu'on se le refasse après ta partie en. Ouais, en. Ça marche. En patator là. Ouais. Et du coup, j'ai eu aussi le trophée des élites là. Tu es 300 élites. Ouais, bah alors ça devait être long là quand même. Tu as dû jouer quand même pas mal. Bah non, il est tombé. Dérangeant que tu parles beaucoup. C'est pas dérangeant que tu parles beaucoup, ok. Non, il est tombé par lui-même quoi. Et ouais. Bon, en fait, c'est qu'on a bien avancé. Ah ouais. Et ça, franchement, je vous le conseille, on y a joué beaucoup, c'est Fat Princess. Il a baissé en plus. Alors, je sais pas si c'était une promo ou s'il y est toujours, il était à 9€. Non, c'était une promo. Ouais. Ah merde. Bon, attendez un petit peu. Ou attendez même un peu encore plus longtemps, et il sera forcément gratuit sur le PlayStation Plus vu que c'est un jeu Sony. Mais Fat Princess, c'est énorme. Franchement. Et puis, bah là, du coup, hier, on a reçu le code pour la bêta. De The Division. Oui, ça. Donc ça tombe très bien. Comme ça on en parlera à la radio. Clément là aussi. Et c'est bien, ouais. Bah pour l'instant écoute, c'est pas mal. C'est un peu lambda. Alors a priori il y a deux zones bien distinctes. Il y a la Dark Zone, donc apparemment c'est du PVP. Bon tout seul c'est assez tendu. Parce qu'il y a dans tous les jeux comme ça, il y a toujours des shows de la tub qui. Mais pour la. Eh, franchement, les gens râlaient et tout, graphiquement, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Il y en a toujours qui gueulent. Ah ouais. Ah. Franchement, faut pas charrier quoi. Ah, putain, c'est The Witness, j'ai gavé avancé. Et là, ça y est, je suis au pied du mur, j'y arrive plus. Ah, c'est devenu dur d'un coup, mon gars. Il y a des couleurs, des trucs, des. Mais par contre, c'est génial. C'est vraiment génial. Mais ouais, c'est pas dur. Trop loin, non, ça va. Non, ça va. Bah, en fait, ouais. Les zones sont assez courtes. Donc, au final, t'es dans un univers et puis t'y restes pas très longtemps au final. Donc, c'est. Non, franchement, c'est génial. Ouais, c'est ce que j'avais peur, moi, en fait, que ce soit vite lassant, en fait, vite très répétitif. Mais c'est dur hein. Je remercierai jamais assez les viewers. Bah, ils arrivent, toute la bande moumoute et tout. Ah ouais, parce que là, franchement, c'est tendu quoi. Il y a des trucs, t'es là, tu te sens trop con quoi. C'est, tu sais que t'as la solution sous le nez, mais tu la trouves pas quoi. Bon écoute, là je suis en train de courir, alors c'est New York, hein, c'est ça je crois. Je suis en train de courir, ouais je pense, vu les taxis et tout. Bon écoute, c'est pas mal, il y a de la neige. Pour l'instant c'est pas mal du tout. Ah bah ouais, ils veulent que j'aille dans la Dark Zone. On va attendre Clément, je vais lui envoyer un petit texto. Alors attends, zoom. Hop, ah, attendez, faut que je décale la chaise. Elle est devant. Bon, j'ai le poète de la muerte, les mecs. Hein. Tous les follow, ils ont le droit au poète. Et attention, tous ceux qui sont bannis, j'ai l'arme ultime. Ça, c'est pour les bans. Mais ça va, les gens sont assez corrects, donc ça arrive rarement. C'est qu'ils ont peur de prendre un tir. Bon, la Dark Zone, je pense que c'est là. On va aller faire ça. Rencontre. Allez, on est parti.
Et là, tu vois, le soleil, il se lève et tout. Franchement, ça a sa petite gueule, hein. Franchement. Alors, c'est vrai, y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Ça fait très, très The Last of Us. Ah ouais. Putain, elle, elle est en short, elle doit geler les guiboles, quoi. Alors, mini-jupe même. Ça va pas, ma petite dame? Ah bah, elle est en train de crever. Et ouais, parce que, tiens, je vais me mettre sur un beau décor et je vais me rouler une tige. Et il n'y a pas de corps à corps, car il y a des ennemis avec des battes. Bah ouais, je me pose la question aussi, alors. Peut-être que c'est... Je sais pas. On va... Je vais me rouler une tige. Parce que voilà, le pitch de The Division, c'est qu'au final, il y a un espèce de virus. Alors, c'est pas des zombies. Encore une fois, Dieu merci. Je commence à en avoir plein de cul, des zombies. Mais ouais, du coup, c'est un virus qui est sur les billets de banque. Et qui se transmet comme ça, en fait. Alors, c'est un bon pitch, parce que c'est vrai que les billets, c'est quand même assez crado. Le pire, je crois que c'est les pièces. Et au final, ils avaient fait à l'E3 où le jeu avait été annoncé, ils avaient fait. Les structures font aussi une famous. Ouais, un peu celle, les arches, ouais, carrément. En fait, ils avaient lâché des faux billets du plafond dans la salle de la conférence de presse. Je trouvais ça pas mal. C'est un bon délire. Sur Paris aussi, pour la sortie de Batman Arkham Asylum, ils avaient fait un gros coup. Ils étaient venus chercher tous les journalistes dans un bus américain. Tu vois le délire? Et le chauffeur, c'était un mec avec un masque du Joker et les avait emmenés dans un hangar qui était tout aménagé, où tu rentrais par un grand couloir où il y avait plein de télé comme dans le jeu, avec le Joker en train de te parler et tout. Et ils avaient eu le droit à une projection et une séquence de gameplay comme ça dans un lieu désaffecté et tout. C'est terrible. Je... Et en fait, c'était Marcus, notre Marcus National, qui avait raconté tout ça. Donc c'est pareil, hein, on sera à l'IDEF cet été, on y était l'an dernier. Il y a la vidéo sur la chaîne YouTube de la radio. Il faut que je la rajoute sur le Wizbot. On était à l'IDEF. L'IDEF, c'est un salon pour les professionnels du jeu vidéo, la presse. D'habitude, c'est à Cannes, et là, ça a déménagé à Bordeaux, parce qu'on est à Bordeaux, nous. Et donc voilà, on a rencontré Bertrand Amard, Julien Tellouc, Fred Moulin du journal des jeux vidéo de Canal+. Et on a essayé plein de jeux en avant-première. Alors maintenant, ça paraît con, mais à l'époque, ils n'étaient pas sortis. Mais on avait essayé Mad Max, Until Dawn, Assassin's Creed Syndicate. On avait essayé aussi le casque Morpheus. Si vous avez YouTube, c'est la voix du geek à l'IDEF, tout simplement. Il y a une interview de Julien Tellouc, il y a... Enfin, voilà. Voilà. Allez, on est reparti, c'est bon, je suis ready. Bon, je vais envoyer un petit texto à Clément, tiens. T'es toujours là? Ouais, ouais. Ah, ok. Alors. J'envoie un message. Voilà, c'est bon, on est reparti. Recherche sur le virus. Pas étonnant que le monde aille aussi mal. Hey, c'est pas drôle. Non, non, attends, il y a quand même pas mal de détails. C'est quand même pas moche, hein. Quand même pas. Bon, j'y vais, à plus tard. Salut Freedom, et merci encore pour le follow, hein. Essaye de passer mardi, demain à 19h, comme ça tu verras la radio. Tu verras la radio, c'est quand même magnifique. Voilà, il y a les ombres des immeubles, ils disaient ouais, gna 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 gna. Il y a les ombres dans... Enfin, le reflet dans les mares, quoi.
Et en plus, c'est les vrais. C'est les vrais reflets. Il y a des fois, on nous fait le coup. Dans les jeux, t'as des reflets, c'est pas les bons, quoi. Le reflet correspond pas. Pennsylvania Plaza. De toute façon, on est là toute la journée. Toute la journée, demain matin aussi. Après la radio, et puis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout le temps, tout le temps. Bon, pour l'instant, l'IA est pas transcendante. Il y a une trace d'essence dans la mare. Pas mal. Alors j'espère qu'il y a quand même assez de contenu. Et qu'après c'est pas que de la Dark Zone. Ah, il y a le Wizbot qui a faim. Tu joues à quoi du coup, Bibine? Dark Chronicle. Ah yes. Ça commence à être chaud là. Alors, on arrive au point. Ok, donc Clément arrive. Ok, il est encore en train de la télécharger. Il arrive vers midi. Qu'est-ce que je vais faire? Ah voilà. Max, il me prévient maintenant qu'il sera pas mardi dans l'émission. Voilà, c'est bien. Hey, c'est pas moi le danger. Il faut les dresser, les jeunes. Plus que c'était. Oh bah non. Ah ah. Merci Mordrel pour le follow. T'as activé le poète de la muerte, t'en as, t'es un bon. Ça manquera à personne. Alors le corps à corps, attends, rond peut-être. T'as rien à foutre, enculé. Non. Carré. Eh ben non. Ouais, là c'est pas mal quand même ce petit décor là.
Wow, 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 wow. J'ai un peu fait le cochon là. Ça va être compliqué là. Bon, c'est de ma faute. Cac, L3R3. Ah yes, merci à toi. À 300 mètres. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ça marche, je vais essayer. Putain, c'est long. Ah, attendez. Hop. Ah, on est reparti, désolé. Ah ouais, putain, on revient assez loin, quoi. Enfin, assez loin. C'est relatif. Calme-toi. Alors ça c'est quoi? Scan du civil. Ouais, tiens mon gars. Ah bon, on en a plus. Oh, le bon samaritain, je lui ai donné mon dernier pack de soins quoi. Wow, 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 wow. C'est gentil ça. Ok, R3. Ok. Bon, écoute, à mon avis, il faut le tester en multi parce que là, tout seul, c'est sympa, mais je m'ennuie un tout petit peu. Ah voilà, un kit de soins. Alors c'est pareil, après je vais vous montrer l'inventaire qui est assez indigeste, hein, je trouve. C'est un peu... Wow, une espèce de tableau à la con encore. Allez, on est parti. Donc les grenades. Ok, ça marche comme ça. Ça fait très Watchdog aussi, l'espèce de forme là, en hologramme un peu. Les mecs, ils ont des capuches par balles, quoi. Allez, on va tenter une grenade. Alors, comment ça marche? Hop. Ah, voilà. Hey, on va s'occuper de toi. Allez, on les termine. Putain, le mec, j'ai mis 70 balles dans la tête, quoi. Mais ça, c'est sa capuche et sa casquette, ça. Putain, on revient loin, quand même.
Putain, j'ai une musique de merde dans la tête. Écrivez-moi sur le chat des chansons, là, n'importe quoi. J'ai sapé comme jamais, sapé comme jamais dans la tête. Putain. Coco National. Ah ouais, non, mais c'est... Putain, c'est Maître Gims. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, j'écoutais Skyrock ce matin, là, le morning de Difool. Putain. Du coup, voilà, j'ai dans la tête, quoi. Écrivez-moi n'importe quoi, la danse des canards, ce que vous voulez. La chatte à la voisine. La chatte à la voisine, ouais. Il y a Der qui fait ça à paix comme jamais. Tata yo-yo. Ah, voilà, toi, t'es... Tata yo-yo. Voilà, ben, je préfère presque, tu vois. Ah bah oui, quand même. Heureusement. Faut quand même pas déconner. Maître Gims, j'ai halluciné. Il y avait un reportage sur lui, je sais plus quand, là, on est tombé là-dessus, sur la 1. Il a pas de papier, le mec. Putain, mais faut le virer. Il a pas la, il a pas la nationalité française. Et par contre, ah, il est... Comme ça, c'est d'une pierre deux coups, quoi. Il a une espèce... Par contre, bon, il chante ce qu'il chante, ça, c'est encore autre chose. Mais ouais, apparemment, enfin, ouais, il a une espèce d'histoire, le mec. Attention, quand même. Hein. C'est pas... Enfin, voilà. Moi, salut le Turfu, nous dit Moumout. Salut Moumout. Ah, salut Moumout. Mais moi, c'est vraiment ses paroles qui m'énervent. C'est, ouais, c'est vraiment de la merde, les paroles. Parce que sinon, ça va, il a quand même de la voix, le mec. Ah oui, non, mais clairement. Choix. Au début de Section d'Assaut, c'est lui qui portait les morceaux, hein, clairement. Hein. Ah bah ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Il... Le problème, c'est voilà, c'est, tu prends son album, il y a trois chansons qui sont, on va dire, correctes, le reste, c'est vraiment de la merde. Ouais. Ça va, les Kiki? Bah écoute, ça va très bien, Moumout. On a eu accès à la bêta, donc on va y jouer toute la journée. Salut Ratmurst. Welcome. Hello. Bienvenue sur le stream de La Voix du Geek, l'émission de radio la plus déjantée d'Aquitaine. D'Aquitaine et du monde, et de Washington aussi. De Washington. Ah, de Washington. De Washington DC. Alors, est-ce que vous pensez que les mecs que j'ai butés sont re que toujours morts? C'était pas très France, mais... Alors, ce qu'on va faire, on va... Ah, il y a un ennemi là-bas. On va checker un peu l'inventaire. Voilà, on a 15 nouveaux objets. Ça y est. Le multiplication sont acquises, on parle division maintenant. Eh ouais. Division. The Division, un jeu qui divise. Alors, bon, a priori, toutes les armes que j'ai sont moins puissantes. En fait, je voyais pas ça comme ça, je voyais que c'est vraiment comme un Tom Clancy, enfin... Non, c'était pas comment qui s'appelle, les trucs qui faisaient Splinter Cell, là, voilà. Ah oui. En fait, c'est bourrin, là, en fait. Ah oui, oui, carrément. C'est quand même plus grand. Moi, je me prendrais peut-être bon, pour 70 balles, ça c'est sûr. Voilà, comme ça on peut s'équiper pas mal de choses. Des genouillères. Alors, l'armure, est-ce que ça va pas rentrer en conflit avec ça? Bon, de toute façon, elle est moins bien. On peut peut-être se mettre des gants. Ah, il y a Nico qui arrive. Alors, de toute façon, on l'entend pas sur le stream. Bon, j'irai le chercher tout à l'heure. C'est la loi du plus fort, ma gueule. C'est la loi du plus fort, ma gueule. Ouais, voilà, je me suis fait baiser. Bon, alors, Nico, par contre, le problème, c'est qu'il va pas comprendre. Tu peux lui envoyer un message, s'il te plaît? Ouais. Bibine, lui dire qu'on est en stream. Ok. Parce que sinon, il va pas arrêter d'envoyer des invites. Ouais, ça marche. Qu'on ira le chercher plus tard. Ouais, ça marche. Parce que sinon, il va nous spammer un truc de ouf. C'est quoi ce jeu pour les noobs? T'as vu? Ça paie comme jamais, putain. Non, c'était Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo.
Bon, les temps de chargement chatouillent un peu quand même. Putain, et à chaque fois, ils nous remettent à perpète les oies, quoi. Non, mais c'était une question. Ah, d'accord, c'est quoi ce jeu pour les noobs? Alors, oui, très bonne question, tiens, qui nous vient du public. Bah, en fait, The Division, en fait, il y a un virus qui est arrivé sur Terre, enfin, sur New York, apparemment, pour l'instant, qui se propage avec les billets de banque. Et donc bah on sait pas grand chose, on sait juste qu'on est lui et on doit alors c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'au final bon vu que tout est déserté et tout, il y a l'air d'avoir des bandes de casseurs et tout, des pillards, et pour l'instant je sais pas, faut les buter. Alors le truc c'est que c'est la bêta, donc il y a pas eu beaucoup de cinématiques. Il y a une capacité pour scan et anticiper les ennemis. OK, ça marche. Putain de virus, c'est l'argent sale, c'est ça. Et donc voilà. Et il y en a plein qui râlaient parce que c'était moins beau qu'à l'E3. C'est quand même pas dégueulasse. Faut quand même pas charrier. Moi je sais pas. Ah oui, alors. Ah ouais, maintenant c'est reluit. Je vais garder mon kit de soins. Putain, on dirait presque de l'elfique. Si c'est une blague, c'est pas drôle. Eh ouais, en fait, c'est des escrocs. L'elfique, en fait, c'est du normal écrit à l'envers. Avec le lettrage un peu classous qui a écrit Happy... Happy quoi ? Happy... Ah bah, y a rien. Happy Holiday, peut-être, sûrement. Ou Happy Noël. J'ai rien de valeur sur moi. T'as rien de valeur, mais ça tombe bien. Je comptais pas te dépouiller. Allez, on est reparti. Voilà. Donc c'est R1. Ah ouais, d'accord, et c'est la jauge en bas qui est en train de se remplir au-dessus de la croix. Je crois qu'il a pas compris, j'ai envoyé un message à Nico, mais il m'a renvoyé une ellipse. Attends, sinon je vais dire que j'avais l'argent, je vais le garder. Pas l'argent de ta part. Sinon. Donc je vais rester un peu plus... Alors pourquoi il a pas pris la grenade ? Ah putain, je suis collé. Ah putain, ça me gonfle les jeux comme ça, putain. Pff, où t'es aimanté sur le truc, quoi. Ah putain, c'est chaud là. Je sais pas si on a la puissance de feu qui va bien, quoi. Attends, mais bouge pas, Bibine, je vais lui envoyer un texto direct. Ok, ça marche. Ok, c'est bon. On va tenter une autre mission peut-être. Ah, la réserve est vide. Alors, la carte. Rencontre. Donc c'est là qu'on doit aller, mais on va en faire une autre. Voilà. Donc ils veulent qu'on parte par là. Ah,
Putain, mais il est complètement con, quoi. T'en as renvoyé une aussi. Mais oui. Pareil. Ah voilà, niveau 2 à 4. Alors. Je m'en vais, vous inquiétez pas. Bon, alors, j'ai l'impression qu'on se voit que c'est un peu vide pour l'instant. Alors comme je disais tout à l'heure, ça reste une bêta, hein, rien de final. Mais ouais, je sais pas, pour l'instant, ils te font quand même pas mal. C'est pas un jouet. Voilà, c'est pas moche quand même, sympa les petites décorations de Noël et tout. Fais pas ton connard. Et bonne chance surtout. Eh ouais, et bonne chance surtout. Ouais, ils te font quand même pas mal marcher, quoi. C'est pas moi qu'il faut viser. On avait dit qu'on partagerait. C'est ça que t'appelles partager? Faut nous la paix, merde. Hey, bonjour. Putain, j'espère qu'on va pouvoir débloquer une mobilette ou un truc comme ça, quoi. Putain, mais c'est hyper loin, quoi. Attention, ah. Quartier général ennemi détecté. Je sais pas, j'ai rien entendu. Ça fait des tu veux aller jeter un œil? Allez, putain! Assez courageux comme bestiole. Hein. L'autre, il m'a couru dessus avec une batte, alors j'ai un fusil d'assaut. Alors attends, parce que les grenades... les grenades, par contre, comment on les lance là? Ah ouais, d'accord, faut juste appuyer. Putain, le gaz, par contre, il est vénère. Hein. QG
neutralisé. GTF informé. J'ai peur que ça soit pas hyper passionnant comme jeu, quoi. Question subsidiaire, pourquoi tu tues des gens alors que c'est un virus? Bah oui, carrément, non mais c'est ça. Oh là, oh là, oh là, oh là. Mais là, il y avait un gonze, non? Putain. Alors, je sais pas, c'est peut-être des gens qui essayent de prendre le contrôle. Alors, à mon avis, tu vois, il y a une organisation qui a le vaccin, tu vois, et qui veut pas la vendre. Enfin, qui veut pas le vendre, tu vois, c'est possible. La musique est assez chelou. Ça y est, c'est tout, c'est la fin. Ok. Attention, présence hostile détectée. Alors voilà, c'est ça qui est chiant. Watch Dogs, c'est pareil, Max Payne, tout ça. Dès que t'es à couvert, t'es aimanté sur les côtés, quoi. Et pour en sortir, c'est toujours un peu galère. Tiens, Moumout, il y a Célia qui... En l'air, il y a un parachute accroché à la façade. Ah, j'ai pas fait gaffe. Il y a Célia qui passe à 13h tout à l'heure. Me ramener Agatha Christie. J'ai bien avancé dans The Witness hier. J'aurais eu besoin de toi un peu. Là, ça commence à être un peu chaud, quoi. Coucou mon poulet, ça va? Cool que tu puisses le tester. Je pensais que la bêta était finie. La zone d'où tu viens sur le toit. Ok. Eh ouais, John, ben... Si t'es chaud à un moment ou un autre pour y jouer, vas-y, hésite pas. Hein. On a reçu le code hier. Aidez-moi. La clé de cette porte doit être quelque part par là. Oui, bah c'est bon, elle était indiquée à clignoter la truc. Les civils sont en sécurité. Alors apparemment, il y avait... On va y retourner, il y avait un parachute. Ah cool, ah ben quand tu veux pour The Witness. À midi on peut se faire ça si tu es encore par là. Ah ouais, on stream toute la journée hein. Toute la journée, il y a Clément qui arrive, il est toujours en train de la télécharger. Il arrive vers midi 13h, un truc comme ça. Et puis non, moi je suis... alors je pense qu'au bout d'un moment on va en avoir plein le cul. Mais je pense qu'on va se faire la... Fini le deuxième déménagement à 20h. Je suis rentré, j'ai mangé dans mon lit et dodo. J'ai fini la bêta, j'ai testé la Dark Zone. À deux, ça pourrait mieux le faire. Sinon, c'est un peu frustration sur 20. Ah ouais, bah c'est... Oui. Bon, est-ce que ça vaut le coup qu'on y retourne au parachute? Ah merde.
attendez, je vais lire vos messages. Putain, à chaque fois je me fais avoir. D'ailleurs, j'ai pas trop compris le but de la Dark Zone à part looter et de se faire motoculter la tête par DHL. C'est le bruit que tu entends. Salut, Sapapaya. J'adore ce pseudo, quoi. Sapapaya Vatos. Welcome. Niveau mun, on commence à être un petit peu charrette. Ah, parachute égale collectible égale XP. Ok, on va y aller alors. On va y retourner. Je clean ici. Et alors que nous sommes devant le Kerman Coffee. Alors attends, c'était par là. Je vais reprendre l'échelle, on va y retourner. De toute façon, on a le temps, on s'en tape. Le but du jeu, c'est d'en voir un maximum. C'était ici, il me semble. Ouais. Ah, et c'est ça le son, ça veut dire qu'il y a quelque chose. D'accord. Alors je clean ici et puis on va s'en occuper. Ah ouais, bah là je me suis retrompé de bouton. Bim. Ah, c'est des grenades incendiaires. Wouah, putain. Tu en penses quoi du jeu? Bah écoute. Ah bah Moumouti s'éclate. Regarde le petit drone. Tu en penses quoi du jeu? Bah écoute, pour l'instant c'est sympa. J'ai peur que ça lasse un peu. Enfin, j'ai peur que ça soit salace. Non, j'ai peur. Ah, il y a Equinox. Merci Equinox pour le follow. Sympa le streamer ici, un abo de plus. Eh ben écoute, merci à toi Equinox. Et comme je disais, hein, La Voix du Geek, c'est une émission de radio sur la bande FM qui existe depuis 4 ans. Et donc ça, c'est la chaîne. Et en fait, tous les mardis, donc demain à partir de 19h, on stream en direct de la radio. Donc sur cette chaîne, vous verrez la radio, les locaux. Vous serez avec moi en régie et tout. C'est assez marrant. Regarde tout en haut du toit. J'ai pris des notes sur le jeu pour donner mon avis et le... Ah! Eh ben écoute... alors attends, parce que par contre du coup ouais, c'est franchement c'est classe quand même. C'est quand même assez classe. De rien monsieur, bah écoute, merci quand même. Outils. Bon, on va aller voir ce que c'est. Ah bah merci Sapapaya. Alors en plus ce qui est cool c'est qu'à chaque fois que je fais ça, ça fait peur au chat et du coup il se barre. Merci de nous rejoindre les poulets, vous déchirez. J'ai voulu changer le mode de contrôle par défaut dans les options parce que X pour mettre à couvert et O pour sauter, je suis le seul à trouver ça contre nature. Ah, c'est un coup à prendre, quoi. Alors, attends, merde. Que je perde pas le truc. Donc, l'objet est dans cette zone, en gros. C'est ça que ça me dit, quoi. Ah bah, c'est ça. Nous avons gagné un outil. Un tournevis, un marteau, tu choisis. Ah, mais attends, ça veut dire qu'il y en a un autre.
Bon, on a eu de la chatte, il est tombé quoi. Donc le point vert, c'est la Dark Zone quoi. Vous testez beaucoup de jeux ? Bah oui, Equinox, ça fait 4 ans, on a une émission par semaine. On teste tout ce qui sort sur cette chaîne. Donc là, on fait aujourd'hui ce que je disais tout à l'heure. Sur cette chaîne, en ce moment, on est sur The Witness. Là, aujourd'hui, c'est une spéciale The Division. Demain matin, The Witness. Après, on va attaquer du Lego Avenger. On va se faire du Agatha Christie, du Naruto. On fait tous les jeux, quoi. Il y aura du Far Cry, Primal, bien sûr. On va faire Firewatch, Unravel. Voilà, on fait plein de choses, quoi. On joue pas qu'à un seul type de jeu, quoi. On joue à tout ce qui sort. Moumouti. Et on a Facebook, on a Twitter, on est sur iTunes. Enfin voilà, vous savez faire. Ah, attends, parce que j'ai peur qu'on retourne. Composants électroniques. Mission secondaire. Ah, bon, on va aller faire ça, données voilà. Analysées, téléchargement. Ce sera peut-être plus intéressant. Agent, j'ai une demande un peu spéciale à vous. Voilà, j'ai enregistré le speech. Ok. Maintenant, copier-coller. Yes. Si jamais bon, bah voilà, vous avez une tripotée de liens. Elle s'appelle Heather Lowe. J'aimerais qu'elle soit escortée à la base. Donc voilà, c'est une radio qui est sur la bande FM si vous habitez, nous on est de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Mais vous pouvez nous écouter. Ah bah. Merci Gogok Doudou. Attends. Godgodou. Godgodou 10 pour le follow. Mais sinon on est sur Twitch, on est. Voilà, vous pouvez nous écouter toute la France. Sur smartphone, on est sur TuneIn. Les replays, ils sont sur PodCloud, ils sont sur iTunes, ils sont sur le site de la radio aussi. Allez, faut que je trouve quelque chose. Voilà, salut à tous si vous nous découvrez aujourd'hui. La chaîne Twitch, on l'a pas depuis très très longtemps au final, moins d'un an. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a peu d'abonnés, mais n'hésitez pas quoi à nous rejoindre. Et bien bientôt vous n'aurez plus besoin de chercher partout. Comment nous suivre et en savoir plus. Et ouais, on est en train de monter un site internet en fait pour tout centraliser. Putain, j'ai oublié les replays. Non mais t'inquiète. T'inquiète. Et on se marre bien, c'est une libre antenne sur le jeu vidéo. Vous pouvez, comme dit Full Koé et tout, vous pouvez nous appeler en direct, laisser des messages, on lit tout. On passe du son. Dur de ne rien oublier, vous avez envahi le web. C'est pas faux. Hey, calmez-vous. Ah, merci Vida pour le follow. Bon, je sais pas où on est parti. Ouais, ça fait plaisir. Ah, bah il a disparu le cum. Ah, ouais, il faut. Ah, attends. Il doit falloir passer par là. Oui, bon, j'aurais pu sauter par là, vous me direz. Bon, hein. Non, j'aime beaucoup l'univers. Après, avoir en multi, quoi. Avoir vraiment... Alors, attends. Gna. Equinox, ah oui, c'est du sérieux, GG à vous. Bah écoute, merci. J'ai des chlamydia, c'est grave. J'ai couché avec ma cousine. Oui, d'accord, John. John, essaye de communiquer. Ah oui, oui tu fais le... Oui, c'est par rapport à Skyrock. Salut, c'est jusqu'à quand la bêta? C'est jusqu'à demain midi, ça devait terminer aujourd'hui à midi, ça a été repoussé. Je peux jouer avec toi dans la Dark Zone, carrément Static. On fait ça, quelle heure il est? Il est 11h. Vers midi 13h, on fait un gros truc tous ensemble. Demande-moi sur la Play, l'Infernal 999. Et on fera un gros truc ensemble. Vu qu'on stream, on fera peut-être pas une partie tous ensemble. Mais... Ah, salut Kalec. Ah, salut Kalec. Tu sais pas où je pourrais trouver une clé pour la bêta? Ben non. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué là. Il fallait t'inscrire sur le site de The Division et nous on était sur liste d'attente. Tu vois, on a eu le code hier soir.
C'est quoi tes jeux préférés? Je suis assez axé jeux d'aventure. J'aime beaucoup Uncharted, Tomb Raider et tout, mais je joue un peu à tout. J'ai pas vraiment de jeu. Ah, donner du cloud. Yes, ok Tom. Alors, les demandes d'amis, je les accepte toutes, mais je le fais après le stream. Sinon, ça va faire un écran bleu dégueulasse. Mais de toute façon, vers 13h, on fera une mini pause. Et puis j'accepterai tout le monde, et puis comme ça, on reviendra pour jouer tous ensemble. Parce que j'ai un collègue de la radio qui arrive aussi. Oui, je suis vivant. Ok, super. Car il m'a envoyé une clé ce matin. Ah bah, mets-le à télécharger. On n'y croyait plus, Kalec. C'est ça. Mets-le à télécharger au plus vite. Parce qu'il fait 28 gigas quand même. Moi, j'ai la fibre. Du coup, je l'ai mis toute la nuit. Clément aussi. Et Clément, il est toujours pas fini. Alors ça, je sais pas trop. Fouiller l'écho. Ah, il doit falloir chercher des preuves. De quoi? Attends, tu vas pas y aller. Elle fait combien de gigas la bêta? 28. Ah, quand même. Écoute, Faye m'a dit de la contacter tous les jours. Et elle est deux fois plus chiante quand elle a peur que quand elle a pas peur. Et elle a tout le temps peur. C'est quoi cette phrase? Et donc c'est tout, fallait juste que je trouve l'étui. Ouais, étrange. Semaine de fou au taf, j'ai pas vu le jour. Ah, t'inquiète pas, c'est déjà en téléchargement. Yes. Pour des clés bêta, essayez ça. Je sais pas si ça marche encore. La super surprise, ça serait un Red Dead Redemption 2. C'est dans les tuyaux, c'est sûr. Désolé pour le lien, l'infernal. Ah non, mais t'inquiète. Ok, moi aussi, je suis sur la liste d'attente, toujours pas reçu. Eh, mais ça peut tomber. Tu vois, nous, on avait lâché l'affaire. Ouais, clairement, et puis tu vois, au final... Mais c'était ça la mission? Ah voilà, il y a la suite là-bas. À 500 mètres. Je vais me rouler une petite clope. Ouais non, c'est quand même putain de classe quoi. R2D2, je mouille d'avance les copains. RDR2, pardon. Ah oui, Red Dead Redemption. Ah oui, non, mais clairement. Tente voilà. La précommande et ensuite décommander, je crois que ça marche plus. Je crois que ça marche plus. S'ils sortent le 2, je prends le collecteur direct et on l'ouvrira en stream. Ah, carrément. Eh ben, le collecteur de Red Dead Redemption 2, je crois qu'il y aura un cheval avec d'offert. Mais un vrai. Si tu mets. Il te l'envoie par la poste, ça ou une selle, je crois. T'imagines? Bon, après le jeu est pas long, tu as vite fait le tour de la bêta. J'ai entendu dire qu'Ubisoft avait bloqué la bêta à cause de cette manip. Bah oui, non, mais clairement. Tu préco le jeu, tu télécharges la bêta et tu t'enlèves la préco, et voilà. Bah oui, non, mais carrément. Ah non, mais Red Dead Redemption 2, faut qu'il fasse un multi qui va bien comme le 1, et puis là c'est parti quoi. Ouais. D'ailleurs, on me demande que je prends le grand collector là en juin. Yes. Attends, on nous demande un poney dans le coffret. C'est ça. Tu as vu un peu de cinématique? Ouais, il y en a eu une tout à l'heure. Que t'es pas dégueu. Chérie, je peux pas venir me coucher, j'ai poney. C'est ça. Ah non, mais Red Dead, voilà, c'est génial quoi. C'est un truc de ouf. Hein. Ah, c'est une tuerie. Je pense qu'on l'attend tous, hein, mais il est dans les tuyaux. Hein. Alors, on nous demande. C'est que du multi. Ou coop, ouais, carrément. Bah non, enfin tu vois, là je joue tout seul, mais bon, je pense que c'est quand même plus drôle. Et si vous savez pas où le mettre le cheval, sachez que nous proposons des pensions pour chevaux de type familial en Dordogne. Oui, c'est vrai que John, tu fais ça, toi. Le poney est à venir récupérer directement en Dordogne. C'est chiant sur Fat Princess, ça. Genre, quand on se démission à chaque fois avec des mecs, ils font tous le premier niveau. Ah ouais, mais essaye de faire les trop. Normalement, on a suffisamment de thunes et de joyaux pour avoir le bouclier pour assommer les personnages.
Ouais, bah là je suis à 137 000 en thunes et j'ai 23. Diamants là. Tu peux t'en faire deux à la suite. Tu vas dans l'arène, tu fais l'arène du château. Au début, il y a 5 petits gobelins, tu les butes et la vague d'après, il y en a 10. Et donc tu te mets au milieu, tu fais triangle et boum, ça les assomme. Après, tu fais pareil, faut que tu montes le bouclier à fond et après, tu fais pareil avec le bâton pyromane. Et t'as les deux à la suite. Okay. Ça marche. Solo, coop et multi, c'est ça. La Dordogne, c'est cool au passage. Au patage. Ah, c'est excellent. La Dordogne, c'est super sympa. Ouais. Ah, c'est super beau en plus. Tu te fais la reine dans le château. C'est ça, exactement. En deux mots. Non, regarde. Tiens, d'ailleurs, on va parler un petit peu, parce que nous, on aime bien apprendre des choses sur nos streams. Est-ce que vous savez pourquoi, dès qu'on voit des vidéos, des images de New York, il y a toujours de la vapeur d'eau qui sort des bouches d'aération? Voilà, allez, j'attends vos réponses. Essayez pas de tricher avec Google, je pense à Moumout et à John. Est-ce que vous savez pourquoi? Directement. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors là... C'est que des missions genre Battlefront où il y a une vraie campagne. Je pense qu'il y a une vraie campagne. Il y a une vraie campagne. Ah, il y a Moby qui nous dit « Salut à tous, vous avez oublié Red Dead Revolver le premier. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je savais même pas qu'il y avait un premier. Ouais, bah, si. De me l'apprendre. Je savais même pas. C'est le chauffage de la ville, nous dit Moumout. Exactement. En fait, nous, dans le chauffage, dans les chauffages centraux, c'est de l'eau chaude qui coule dans les tuyaux. Aux États-Unis, c'est de la vapeur d'eau. Et vu que c'est assez vieux, bah ça fuit. Voilà, vous pourrez briller en société grâce au stream de la Voix du Geek. Ce qui est quand même pas rien. Bonjour, alors votre avis sur le jeu? Ah bah c'est Lollipop, salut Lollipop. Bah pour l'instant, écoute, c'est pas mal. C'est un peu lambda, je trouve. Enfin... Ah putain, c'est encore cette mission. Bon, elle est passée facile, on a dû prendre un niveau. Donc bon. Ah bah c'est cool ça. Merci Benjo Style pour le follow. Merci à toi, welcome. Welcome to Paradise. Bon alors. Non franchement, ça a quand même de la gueule. Putain, vivement la pause café pour raconter ça aux collègues. Ah bah attends. Ouais, hé hé. Ah mince, oh le con. Après, de ce que j'ai vu dans le stream, je trouve que c'est des décors qui sont quand même vraiment bien faits et tout. Et les personnages qui sont, je trouve, ils ont été un petit peu laissés, on va dire. Au niveau des visages et tout. Ça fait pas vraiment, tu sais, comme les derniers Call of et tout. Ils sont bien, hein, ils sont pas mal. Mais par rapport, je veux dire, au Call of, où là, c'est vraiment, vraiment très très beau. Au niveau des personnages. Merci Mobidic pour le follow. Les décors ont l'air d'être vraiment sympas, par contre. Il est assez joli, mais a l'air assez vide en contenu. Alors après, c'est qu'une bêta, encore une fois. Faut pas s'emballer. Voilà, c'est qu'une bêta. Hein. On a bien vu pour Battlefront, la bêta était assez sympathique. C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais voilà, et c'était pas du tout représentatif du contenu final. Donc bon. D'ailleurs, il va falloir qu'on se lance là. Un petit jour là, on peut faire des combats privés. Ouais, carrément. Tous sur Ghostik. Ah, mais c'est pour ça que je me faisais tuer comme une merde. Alors, faut faire gaffe parce que... Voilà, lui... Non mais lui, il a une capuche de ouf. Je vais t'avoir.
Ah, enfin. Alors attendez, passez là. Merci Venabé pour le follow. Merci les gars pour tous vos follow. Plus on est de fous, plus on rit, c'est ça. Paraît-il qu'il y a déjà eu du cheat sur cette bêta. Alors ça, c'est possible. Oui, c'est grave une bêta. Il manque tellement de contenu que c'est dur de bien se faire une idée. Sur console, ils seront moins touchés par le cheat que sur PC, c'est sûr. Moi, ce que je lui reproche beaucoup pour le moment, c'est la pauvreté des rencontres, un peu répétitive et peu d'événements. Pas faux. Ghost Recon risque d'être fun aussi. Ouais, carrément, le Wild, je sais plus quoi là. Un truc comme ça. Selon un topic sur Reddit, une grande partie des stats sont locales et non serveurs à l'ancienne, quoi. Comme quand tu modifiais ta sauvegarde de Diablo avec un éditeur. Alors là, tu m'as perdu, Venabé. J'avais fait cette mission en premier, son niveau 6, j'étais niveau 3, j'ai lutté, oui. C'est vrai, John, ça a l'air répétitif. Salut, la bêta finit quand ? Elle finit demain midi. Elle finit demain midi. Oh, c'est mort, même moi si j'ai un code, le temps qu'elle télécharge, je l'aurai en fin de semaine. Elle devait se terminer aujourd'hui à midi, et puis non, elle a été repoussée jusqu'à demain. Il y a aussi un jeu là sur ordi qui va sortir. Bon, là c'est encore une pré-alpha, c'est même pas encore l'alpha, c'est une pré-alpha. Et en fait ça a été... Enfin le jeu est construit en fait par les dons des joueurs. Ah yes. Et le truc est super beau, c'est Star Citizen. Ah oui, Star Citizen, ouais. Sur ordi. Il en finit pas de sortir celui-là. Que là... Ah ouais, non, mais attends, donc ils ont sorti la pré-alpha en fait. Et tu sais que les, on va dire entre guillemets, les dons, ça peut aller, donc je crois que c'est de 50 euros à 14 000 euros. Putain. C'est un truc de ouf, je te jure, tu peux acheter genre comme des DLC, t'as un truc à 14 000 euros. C'est un truc de malade, hein. Putain, mais 14 000 euros, le gars... le gars, il vient l'installer chez toi, le jeu, quoi. Ah ouais, il te l'installe. Attention, vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de contamination. Enfin, les bâtards, en même temps, c'est vraiment que des joueurs qui ont créé ce jeu. Lancement de l'analyse de contamination. Oh là, oh là. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce que là, il y a beaucoup d'infos d'un coup là. Et du coup, il y a le joueur du grenier qui faisait une vidéo dessus. Et par contre, le jeu, mais comment il est magnifique. Et puis j'aime bien quand c'est un peu dans l'espace et tout là. C'est excellent. Là, c'est vraiment que ça. T'as l'hyperespace, franchement il est vraiment très bien. Mais de là à ce qu'ils sortent, il y a le temps. Vous quittez la zone de contamination. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Alors attends.